Yo yo yo, c'est PA pour une nouvelle vidéo pour Kill Tilt. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des ranges. On va regarder un petit peu quelles sont nos options pré-flop. On va regarder un petit peu comment on organise nos ranges, surtout face à des profils bien distincts. C'est quelque chose qui m'a été demandé dans les commentaires récemment. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, j'espère que ça va répondre à certaines de vos interrogations. Comme d'hab, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre soit dans les commentaires sur YouTube, soit sur Kill Tilt. Et j'essaierai de répondre à tout le monde. On va démarrer par plusieurs généralités. La première, c'est que les ranges pré-flop, il y en a beaucoup, beaucoup qui sont dispo sur Internet, de qualité variable. Donc, assurez-vous que ces ranges sont valables et qu'elles sont EV+, entre guillemets, avant de les appliquer. Alors, comment on fait pour vérifier qu'elles valent le coup? Ça, il faut avoir des échos de bons joueurs, avoir des gens que vous connaissez qui sont gagnants, qui les utilisent. Mais voilà, faut bien se rendre compte que si vos ranges pré-flop sont déjà pas bonnes, bah forcément vos ranges au flop vont pas être bonnes, du coup vos ranges à la turn vont pas être bonnes, du coup vos ranges à la river vont pas être bonnes. C'est-à-dire que si vous avez un leak pré-flop, il ne peut que se répercuter par la suite. Il peut pas miraculeusement disparaître. Donc ça c'est très important. Ensuite, vous allez vous apercevoir que selon l'adversaire qui est en face de nous, on a beaucoup d'options, beaucoup de possibilités. On va parfois s'éloigner beaucoup de la théorie parce que notre adversaire fait quelque chose de mal et du coup l'adaptation la plus EV+, c'est de faire ce qu'on va faire. Alors que théoriquement, ça pourrait être considéré comme une aberration. Ce qui est important, c'est de faire la différence entre le joueur compétent et le joueur leaké. On parlera pas dans cette vidéo de joueur régulier ou de joueur récréatif. Je trouve que c'est plus important de parler de compétences ou de leak parce que régulier récréatif, ça illustre pas vraiment ce dont j'ai envie de parler. Donc on va s'apercevoir que on aura beaucoup plus de possibilités contre les joueurs leakés, beaucoup plus d'options pour des raisons assez évidentes dont je parlerai après. Donc on va commencer par, comme je vous l'ai dit, faire des distinctions dans ce qui est le profil et l'orientation d'une part du joueur et de l'autre de la façon dont on veut jouer nos ranges. Comme je vous l'ai dit, grosse différence dans la façon de jouer nos ranges selon qu'on joue un joueur compétent ou un joueur leaké. Contre le joueur compétent, on va pas avoir envie, nous de notre côté, de lui montrer des faiblesses. C'est-à-dire que si le joueur est suffisamment fort pour ne pas avoir de points faibles, pré-flop en tout cas, il va être suffisamment fort pour repérer vos points faibles et appuyer dessus. Donc la meilleure adaptation possible, entre guillemets, c'est tout simplement de ne pas avoir de points faibles et donc de ne pas le laisser imprimer de l'argent en faisant telle ou telle adaptation parce que nous, on fait mal telle ou telle chose. On reviendra juste après sur quelles sont les adaptations et les paramètres à prendre en compte pour organiser nos ranges contre les joueurs compétents. A l'inverse, le joueur leaké, bah, vous allez vous apercevoir que c'est plus ces leaks à lui qui vont nous intéresser. C'est-à-dire qu'on va pas être dans une optique où on va se dire « Ah là, faut que je minerise tant de pourcents parce que j'ai telle profondeur. » On va un peu s'en foutre. Et on va plutôt se dire « Lui, il fait très mal ça. Du coup, mon adaptation à moi, c'est de faire ça et donc d'imprimer de l'argent. » C'est un peu comme si on était sur un ring de boxe et vous apercevez que votre adversaire, bah, en fait, il peut taper que du point droit. Et du coup, bah, évidemment, l'adaptation à faire, c'est de le forcer à se mettre sur son point gauche pour en profiter, quoi. Donc, c'est un petit peu grossier, je vous avoue, hein, comme exemple, mais c'est vraiment pour vous donner une idée générale de la chose. En tout cas, l'important, c'est vraiment de comprendre ce que vous cherchez à accomplir et quelle action vous allez avoir envie de choisir pour quelle main, parce que c'est super important. Je vous conseille vraiment de prendre le temps de réfléchir à ça, de prendre le temps de réfléchir à comment vous organisez vos ranges et selon les profils. C'est-à-dire que ça peut que vous aider en fait à comprendre par la suite et à façonner votre esprit poker entre guillemets. On va commencer par un petit point sur le joueur compétent. On va passer brièvement là-dessus parce que, comme je vous l'ai écrit, c'est pas l'adversaire que vous allez rencontrer le plus souvent. Mais c'est pas pour autant qu'il faut pas bosser cette partie de son jeu. J'imagine que dans les gens qui regardent cette vidéo, il y a probablement déjà des grinders qui rencontrent des joueurs compétents. Et il y a sûrement des joueurs aussi qui, à terme, ont envie de monter de limite et donc de jouer des joueurs, eux aussi, compétents. Non pas que vous ayez envie de jouer des joueurs compétents, mais vous allez forcément devoir en jouer à un moment. Donc contre lui, on va chercher un certain équilibre. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit,
On n'a pas envie de lui montrer de faiblesse. Et pour ça, quels sont les paramètres à prendre en compte? Les paramètres à prendre en compte, à mon sens, hein, évidemment, tout ce que je vous dis, c'est basé sur mon expérience et la façon dont je joue. Ça veut évidemment pas dire que c'est la vérité, parole d'évangile, etc. etc. Donc voilà, les paramètres que moi je prends en compte, c'est la profondeur, c'est la couverture des bords. Alors si vous savez pas ce que c'est tout simplement le fait de jamais être dans une situation au flop où vous vous dites « Ah, alors j'ai fait cette action pré-flop, je suis sur tel flop, le problème c'est que bah, quand j'y réfléchis dans ma range, j'ai aucune main forte. » Bon, bah ça peut poser un problème. Je vous donne un exemple. À 12 bébé deep, vous faites tapis avec tous vos as, vous limpez, ça vient aborder ça, et bon, bah l'avantage de range que vous aviez n'existe pas, parce que vous n'en avez tout simplement aucun, vu que vous faites tapis avec tous vos as pré-flop. Donc, ça c'est très important. Il faut aussi prendre en compte bah, vos fréquences d'open, vos fréquences de limp. Est-ce que vous n'avez pas envie de... Enfin, vous n'avez pas envie, pardon, de trop open fold, vous n'avez pas trop envie de trop open raise, enfin open call, etc. etc. Par exemple, à 10 blindes, bon bah ça a été prouvé que il y avait beaucoup plus de V à limp, beaucoup de sa range, par rapport à faire tapis. Par rapport à min raise tout simplement, je dis n'importe quoi. Donc oui, vaut mieux limp que min raise. Si vous vous mettez à trop min raise, vous allez créer un déséquilibre et vous allez par exemple beaucoup trop min raise fold et donc votre adversaire va pouvoir en profiter. Donc voilà pour les paramètres à prendre en compte. Ce qu'il faut bien prendre en compte aussi, c'est que c'est pas parce que votre adversaire est compétent pré-flop qu'il va être compétent post-flop. C'est-à-dire que une fois que vos ranges sont bien organisées pré-flop, en théorie, votre jeu au flop est facilité. C'est-à-dire que bah, y a plein de boards sur lesquels vous allez vite comprendre que vous avez tel ou tel avantage de range, etc. etc. et donc que vous pouvez miser tel sizing avec tant de pourcents de votre range, etc. etc. Et pourtant, bah, y a plein de gens qui vont être relativement ok pré-flop parce qu'ils ont trouvé des ranges quelque part à droite à gauche, sans comprendre pour autant ce qui en découle derrière. Donc voilà, c'est vraiment des paramètres contre un joueur compétent pré-flop, je parle. Ensuite, on passe contre le joueur leaké, qui est à mon sens le plus intéressant, tout simplement parce que c'est 90% de nos games, en tout cas pour ceux qui jouent en dessous de la 50, encore une fois, je pense. Au-delà de la 50, bon, en 50, il y a quand même pas mal de games encore avec deux récréatifs, en 100, ça devient plus dur d'en trouver. Mais bref, tout simplement, c'est le profil qui va se présenter le plus souvent en face de nous, et surtout, c'est le profil sur lequel on va faire le plus facilement de l'argent. Il faut bien se rendre compte que bah, si vous avez deux joueurs compétents et un joueur leaké, bah, les joueurs compétents ils vont évidemment faire plus d'argent contre le joueur leaké. C'est logique, je vous apprends rien. Donc comme je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure, notre équilibre, on s'en fout. Le sien, un peu moins. C'est-à-dire qu'au lieu de chercher à min-raise 30% à telle profondeur, couvrir tous les boards possibles et imaginables pour pas nous faire défoncer sur tel ou tel spot, on va plutôt se poser, regarder un petit peu ce qu'il fait et se dire « Putain, ça c'est bizarre, à telle profondeur, il fait telle action avec telle main. Bah, » Du coup, ça veut dire que sur tel board, bah, je peux le défoncer. Ça veut dire que quand il fait telle action, bah, il n'a pas ce type de main, etc. etc. Donc, je vais lister un petit peu des leaks évidents, on va dire, chez certains profils de joueurs. On va avoir le joueur trop tight, c'est-à-dire qu'il va trop peu open son bouton en HU ou trop peu limp son bouton. Qui va trop peu défendre. Et donc, nous, on va avoir plusieurs adaptations à faire, qui vont être soit d'overfold sur certains de ces open, voire d'over open, je sais pas si ça peut se dire, d'open plus que la normale, on va dire, tout simplement, parce qu'il fold beaucoup. A l'inverse, on va avoir le joueur trop aggro, qui pour le coup, lui, va beaucoup trop open, va beaucoup trop iso, va beaucoup trop bête n'importe comment, et... évidemment, notre adaptation sera complètement différente de celle du profil d'avant. Et puis, on va avoir tout un tas de joueurs qui vont avoir des problèmes avec leur range. C'est-à-dire qu'elles ne seront pas du tout équilibrées. C'est-à-dire qu'ils vont peut-être raise que tel type de main. Ils vont peut-être limp que quel type de main. Ils vont peut-être bet que quand ils ont une main. Ils vont peut-être limp que pour limp fold. Donc, tout ça, c'est des possibilités qui ne sont pas exclues. Et ça va être à vous de vous apercevoir dans quelle catégorie entre guillemets d'adversaires bah, votre, euh,
votre joueur en face de vous se situe. Et donc, je voulais vous donner des exemples pour mieux comprendre, mais c'est vraiment important de se rendre compte assez vite de la façon dont joue notre adversaire, parce que c'est ça qui va nous permettre de définir notre stratégie et d'avoir donc la meilleure EV et la meilleure stratégie possible contre la personne contre laquelle on jouera. Je vais vous donner des situations, voilà, c'est des exemples. Je vous conseille de poser la vidéo avant qu'on démarre pour y réfléchir par vous-même. On va à chaque fois imaginer un adversaire tight et un adversaire aggro et voir un petit peu quelles sont nos options à cette profondeur avec ces mains données. Donc c'est évidemment des situations précises. Maintenant, faut bien se rendre compte que chaque main donnée va pouvoir rentrer entre guillemets dans un groupe de mains plus large. Et donc l'adaptation à faire avec cette main précise va aussi se raccorder à l'adaptation à faire à ce groupe de mains dans lequel la main en question se situe. Donc voilà, on va démarrer. On va prendre le premier cas. On a 9-7 off, on est à 12 blindes en position et on joue contre un adversaire tight. En théorie, on devrait limper. Maintenant, on joue contre un adversaire tight. L'adversaire tight, son principal leak, c'est de jouer trop peu, évidemment, comme son nom l'indique. Donc, de défendre trop peu ses blindes. Est-ce que on n'aurait pas plutôt envie de min-raise plutôt que de limp, en sachant que notre adversaire est tight pré-flop, donc déjà, il y a de grandes chances qu'on gagne le coup pré-flop. Et en général, encore une fois, un adversaire tight pré-flop va pas faire de folie post-flop et va être très fit or fold. C'est-à-dire que même dans les cas où notre adversaire va défendre, on va très vite identifier les boards sur lesquels on va pouvoir bet ou pas. Imaginons que notre adversaire soit tight et donc se décide à défendre malgré tout. Les boards qu'on va pas trop vouloir s'y bet, ça va être les boards hauteur valet, hauteur dame, hauteur roi, parce que ça va très souvent être les cartes qu'il aura envie de défendre. A l'inverse, des boards hauteur 8, hauteur 6, des boards low tout simplement, on va beaucoup avoir envie de les bet. Parce que on sait que, ou en tout cas on part du principe que il ne défend pas suffisamment souvent ces cartes-là pour qu'on doive checker. A l'inverse, on joue contre un joueur aggro. Le joueur aggro, lui, il s'en fout un petit peu qu'on raise. Il a envie de voir un flop, il va voir un flop, il a envie de faire tapis, il va faire tapis, etc. Du coup, le raise est un peu exclu. Et je vous conseille même, si votre adversaire est trop agressif et donc isole trop vos limps, de folder tout simplement préflop cette main. Alors c'est un peu extrême évidemment, maintenant si on est contre quelqu'un qui isole trop, je pense que la première des adaptations c'est de ne pas lui donner de blinde gratuitement, et donc au lieu de lui donner une demi-blinde en limp foldant, on peut lui donner juste notre demi-blinde qu'on a mise automatiquement, et puis voilà. Donc l'adaptation contre ce profil là par exemple, ce serait d'avoir une range de limp qui serait exclusivement composée de limp call, j'imagine, et de prendre les mains qu'on aurait envie de limp call, mais qui vont pas forcément très bien se jouer à tapis, de les open shove potentiellement, ou en tout cas voilà, surtout éviter des limp fold inutiles, typiquement 9-7 off, ok c'est censé être un limp. Maintenant ça veut pas dire que c'est dramatique et vous allez probablement faire une erreur au final en appliquant la théorie contre ce profil là. On passe à l'exemple suivant qui va être dame valet suité à 15 blindes. On est en premier lieu contre un joueur tight. Est-ce qu'on a envie d'open? Est-ce qu'on a envie de limp? Évidemment j'exclus le fold parce que voilà. Alors de manière générale ça sera dur de faire une erreur avec dame valet suité. Maintenant, il faut bien se rendre compte qu'entre les deux, il y a potentiellement une situation qui est plus EV+. Les deux vont vous rapporter des jetons. Maintenant, il y en a une qui vous en rapportera plus que l'autre. C'est comme si je disais, il n'y a pas vraiment de mauvaise façon de jouer les As. Ok, on peut flat, on peut 3 bêtes, mais il y a quand même une des deux situations qui va rapporter nettement plus d'argent que l'autre. Donc voilà, on est contre un joueur tight. Donc le joueur tight, il fold de trop. Et il fold de trop, il iso trop peu. Donc on a un petit peu envie de limp à mon sens, c'est-à-dire que l'avantage de limper, c'est que d'une part ça se joue très bien post-flop, donc c'est vraiment pas un problème.
Et d'autre part, on garde toutes les dames et tous les valets qui sont dominés dans la range de notre adversaire. C'est-à-dire que si on open, vilain va peut-être fold dame 7, va peut-être fold valet 4, valet 5, je sais pas, il va fold tout ça. A l'inverse, si on limp, bah il va pas pouvoir fold, il va checker. Et donc toutes les fois où on va faire une paire, on va se retrouver dans une situation où on a une paire qui domine nettement celle de notre adversaire. Et donc on va pouvoir faire une tonne d'argent. Qu'on n'aurait pas fait si on avait relancé parce qu'il aurait tout simplement foldé. A l'inverse, on est contre un joueur plus agressif. Le joueur plus agressif, bah déjà, on a plus ce problème de... on a peur qu'il fold, c'est-à-dire qu'il va défendre suffisamment souvent. Donc, c'est plus intéressant de min-raise à mon sens parce que bah, tout ce qui est dame 7, valet 5, etc., lui, il va le défendre potentiellement. Donc, vous allez vous retrouver dans la même situation, c'est-à-dire que bah sur les bords d'auteur dame, auteur valet, vous allez set up votre adversaire entre guillemets et donc enfin prendre beaucoup d'argent. L'avantage c'est que vous avez déjà construit un pot et donc ce sera beaucoup plus facile de tout lui prendre. En plus de ça, c'est vraiment pas très grave s'il fait tapis parce que à 15 blindes, dame valet suité, c'est jamais un risk fold à mon sens contre un joueur agressif. Donc vous avez vraiment aucun problème à relancer cette main. C'est pas comme si on était, je sais pas. 35 bébés deep et votre adversaire faisait tapis une fois sur deux et où là ce serait peut-être problématique. Ça c'est vraiment là, c'est vraiment un cas où on est content de raise call surtout contre un adversaire qui chauffe beaucoup trop. Éventuellement si pour je ne sais quelle raison valable ou non vous avez pas envie de raise call, bah dans ce cas là limpez. Mais faut bien se rendre compte que si on relance cette main, d'une part c'est parce que c'est le play le plus value plus, et d'autre part, c'est parce qu'on va sûrement pas fold sur un tapis de la part de notre adversaire, puisque déjà de manière théorique, ça serait jamais un fold, je pense, mais contre quelqu'un qui chauffe beaucoup trop, ça devient encore moins un fold. On passe à l'exemple suivant, qui est paire de 3 à 20 bébés. Ici, pareil, deux options, évidemment, le raise ou le limp. Évidemment, à chaque fois, j'exclus les folds, en position, tout du moins. Donc contre un adversaire tight, bah, paire de 3, c'est peut-être plus intéressant d'open. Pourquoi je dis ça? On a toujours ce problème chez lui, chez notre adversaire d'overfold préflop, donc on va très souvent prendre une blinde. Paire de 3 en pot limpé, c'est pas une main qui va jouer relativement bien. Et surtout, quand votre adversaire est tight, il va pas isoler suffisamment souvent pour que limp pre-shove soit un play très intéressant contre lui. Donc pour ces raisons là je préfère vraiment open contre un adversaire tight, sachant qu'encore une fois c'est un petit peu comme les fois où on avait dit qu'il défendait très peu. Les boards qu'il va toucher on va les repérer et les boards qu'il va pas toucher on va les repérer, donc on devrait pas jeter trop d'argent par les fenêtres à ces bêtes. Donc voilà, à l'inverse on est contre un joueur aggro, paire de 3, vous avez pas envie d'open parce que lui va défendre très souvent. Et donc du coup, vous allez vous retrouver sur plein de boards où bah est-ce qu'on s'ébête, est-ce qu'on s'ébête pas, putain j'ai pas fait brelan, c'est relou, putain il call flop, je sais pas quoi barrel turn, bon, c'est un petit peu embêtant, vous vous en doutez bien. A l'inverse, le joueur 3 aggro, bah il va iso relativement souvent, et donc vous pouvez tout simplement profiter de cet excès d'agressivité pour limper et faire tapis par-dessus un iso adverse. C'est d'ailleurs probablement la stratégie standard, je pense, contre un adversaire inconnu. Mais vous voyez que cette fois-ci, bah, on en dévie contre le joueur tight et pas contre le joueur aggro. Donc voilà. Ensuite, on passe sur des situations que je vais appeler défensives, entre guillemets. On a A6 off, on a 14 blindes et notre adversaire tight open son bouton. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Là pour le coup toutes les options sont ouvertes à vous. On a la possibilité de fold, on a la possibilité de call, on a la possibilité de shove. Là ça va vraiment être vilain dépendant. Un adversaire tight, bah il va avoir tendance à open une range strong. Donc moi j'aurais tendance à folder pour une raison simple, c'est que shove déjà c'est exclu parce que la range qui va open c'est une range qui va raise call. Et A6 off contre une range qui raise call c'est pas terrible terrible, vous en conviendrez. Et j'ai pas envie de call non plus parce que A6 off ça se joue pas bien post-flop. On va être hors de position. Et les fois où on fait un As, bah il y a des chances quand même que notre adversaire en ait un meilleur. Donc pour toutes ces raisons, je préfère vraiment passer à côté de ce spot, folder. Et d'une part, entre guillemets, économiser des jetons.
et d'autre part profiter de ces leaks pour faire plus d'argent dans d'autres situations par la suite. Il n'y a pas de honte à folder cette main sur un open si vous considérez que la range d'un adversaire elle va être trop élevée, trop forte pardon. À 14 BB, 15 BB, on va dire qu'on devrait minraise environ 16% théoriquement parlant. La différence c'est avec entre un joueur compétent et un joueur leaké, ça va être que le joueur compétent va open 16% de manière assez polarisée. C'est-à-dire qu'il aura des mains très fortes qui vont être très contents de raise call et des mains beaucoup plus faibles qui n'auront aucun problème à raise fold. Alors que le joueur leaké, il va open peut-être le même pourcentage de mains, sauf que lui, il va prendre les meilleures mains, il va faire bon, ça je raise, ça je raise, ça je raise, ça je raise, ça je raise. Celle-là je l'aime plus trop, donc je raise plus. Et donc en fait, ça va être une range de 16% qui va être très linéaire et ça sera juste le top 16%. Et donc vous prenez Assist Soft contre le top 16%. Bah ça joue probablement pas très bien. Donc voilà. À l'inverse contre un joueur agressif, bon bah je pense que tout le monde est d'accord pour dire que shove c'est la meilleure option parce que il va beaucoup trop open, que on n'a pas envie de défendre parce que il va beaucoup trop bête et comme ça se joue très mal post flop assez soft, bah on va tout simplement se faire saigner et donner encore plus d'argent que si on foldait. Voilà, donc je pense qu'on est vraiment tous d'accord pour faire tapis. Et c'était plus pour attirer votre attention sur l'adaptation contre un joueur tight que j'ai mis cet exemple là. Et enfin on va terminer avec deux exemples qui sont sur des boards. J'ai pas mis de profondeur, hein. Bon on va dire qu'on est entre 15 et 20 BB deep. On est sur un board low suite à un open. C'est-à-dire que Vina a open son bouton. On a défendu et le board vient, je sais pas, 2-4-8, ou peut-être même pas, non, 2-4-8 sera plus pour les hommes d'après. On va dire 3-4-7, des choses comme ça, donc des boards sans grosses cartes. Notre adversaire tight, faut bien se rendre compte que c'est un board qui va pas trop souvent toucher. Alors, ok, il open une range strong, donc malgré tout, il va avoir quand même des mains avec lesquelles continuer. Maintenant, c'est un board qu'il aura très souvent miss, et dont on va pouvoir tirer avantage. Alors, il n'y a pas de solution toute faite, je dis pas qu'il y a telle ou telle option qui sont bien à faire ou pas bien à faire, mais ça peut être intelligent et intéressant de réfléchir à une stratégie de donkbet, une stratégie de check raise, avec quelle main on a envie de faire ça. Tout ça, c'est des trucs qu'il faut prendre en compte. Le postulat de base, c'est on est sur un board que mon adversaire a trop peu touché par rapport à moi, et ensuite, ce qu'il vous reste à faire, c'est de dire comment je m'adapte, qu'est-ce que je fais. Contre un joueur agressif c'est plus relou, c'est pas un spot où on va avoir une énorme adaptation comparé à si on joue un joueur tight, parce que lui va open une range moins linéaire et va donc un peu plus souvent toucher ce board, et donc ça sera probablement plus embêtant d'essayer de s'adapter de la même manière que si on joue un joueur tight. Et enfin on a que le board dry suite à un open, donc Villa open on défend big blind et le board vient 2-4-8 par exemple comme je vous l'avais dit. Contre un joueur tight, pas grand chose à signaler dans le sens où, ok, c'est un petit peu pareil que le board low quoi. Je veux dire 2-4-8 et 3-4-7, si j'ai un joueur qui open que des nuts, il va autant le toucher dans un cas comme dans l'autre. Donc il y aura toujours cette proportion de mains qui seront très fortes, mais il y aura toujours aussi cette proportion de mains qui n'auront pas touché. A l'inverse, un joueur qui open beaucoup, faut bien se rendre compte que 2-4-8, il va pas des tonnes le toucher, quoi. Très souvent, il aura rien. Et donc, c'est là où il faut s'adapter. Faut se rendre compte que un joueur agressif pré-flop va généralement l'être post-flop. Donc, vous allez vous prendre du barrel à tout va. Donc, l'adaptation, elle doit probablement se faire au niveau du flop. Dans le sens où, c'est là où vous allez avoir envie de faire votre play avant de devoir vous retrouver dans des spots compliqués avec deuxième paire, troisième paire, à vous prendre un deuxième, un troisième barré. Et donc je pense que c'est intéressant d'envisager une range de check raise. C'est pas un spot que j'ai run, donc je saurais pas vous dire si oui ou non on est censé raise beaucoup ce spot. Maintenant je pense que si on part du principe que notre adversaire open 70% de ses mains et ses bêtes, je sais pas, au moins 80% du temps, oui, c'est un board qu'on va beaucoup check raise. Donc voilà, réfléchissez à quel type de main vous avez envie de faire ça. Est-ce que vous avez envie de faire ça avec
deux over entre guillemets sur la top pair, enfin sur la deuxième paire, une gutshot. Est-ce que vous avez envie de faire ça avec deux over tout simplement? Est-ce que vous avez envie de check raise tel ou tel type de main et donc de check call tel ou tel type de main, en sachant que on n'est pas obligé contre ce genre de profil de garder encore une fois un certain équilibre dans nos ranges, c'est-à-dire que on prend un truc grossier, hein. Imaginons qu'on check raise que R et on check call que nos nuts, c'est vraiment pas grave parce que lui il va pas s'en rendre compte. Donc voilà. Voilà un petit peu donc toutes les adaptations auxquelles on peut penser. Alors évidemment c'est très synthétisé, c'est plus pour vous donner des pistes de réflexion, pour vous donner des clés pour organiser vos ranges, vous booster un petit peu pour réfléchir à comment vous organisez tout votre plan du pré-flop à la suite, et à vous questionner un petit peu sur comment je m'adapte en fonction de l'adversaire qui est en face de moi. Donc en conclusion, je vous rappelle encore une fois que votre pré-flop, ça influence toute votre stratégie post-flop. Donc si vous n'êtes pas bien réglé pré-flop, vous n'allez pas être bien réglé post-flop. C'est déjà très dur de bien comprendre comment tout s'organise en ayant des bonnes ranges. Je vous laisse imaginer le bordel si vous n'êtes pas au point dès le début. Contre un joueur leaké, par contre, je vous rassure, c'est pas très grave. Encore une fois, lui ne pense pas à vous, c'est vous qui devez penser à lui. C'est à vous de voir ses leaks, c'est à vous d'appuyer dessus, et c'est à vous de vous rendre compte dans quel type de spot vous allez pouvoir vous adapter et gagner de levée en déviant du play qui devrait être théoriquement le bon pour faire un play exploitant et générer plus d'argent tout simplement. Contre un joueur compétent, c'est évidemment un problème parce que, comme je vous l'ai dit, s'il est bon, il va se rendre compte que vous faites des conneries et donc il va s'en servir. Toujours prendre en compte la profondeur de votre main, sa jouabilité et surtout réfléchir au pourquoi. En fait, à partir du moment où vous arrivez à répondre à la question « Pourquoi tu fais ça avec cette main ?», vous avez tout gagné, quoi. Vous avez compris pourquoi vous faites vos actions. Du coup, vous êtes assez confiant dans votre jeu. Vous avez aussi compris que pré-flop vous étiez bon, donc post-flop, vous allez être au point aussi. Que le fait d'avoir tel ou tel range à tel ou tel stack dans telle ou telle situation, vous avantage sur tel ou tel board par exemple. C'est vraiment tout bénef et surtout, encore une fois, je pars du principe que réfléchir de manière globale à une situation au poker, ça peut que vous servir pour toutes les autres situations que vous allez vouloir bosser à un moment donné. À partir du moment où vous exercez dans un spot précis, vous allez peut-être comprendre des choses, que ça soit dans votre jeu ou même dans la logique de réflexion entre guillemets, qui pourront vous servir pour plus tard, quoi, tout simplement. Attention cependant, faut bien identifier son adversaire. Vous pouvez pas dire que, par exemple, enfin, vous pouvez pas vous planter, quoi. Si votre adversaire, vous le prenez pour un joueur compétent et en fait c'est un joueur leaké, vous perdez une tonne d'argent. Inversement, si vous pensez que votre joueur en face il est leaké et en fait il comprend tout à fait ce qu'il fait, pareil, vous êtes en train de vous saigner vos jetons. Donc faites super gaffe. Normalement, le profiling c'est pas quelque chose de très compliqué. Mais voilà, ce que je peux vous conseiller c'est prenez le temps quand vous grindez de regarder les showdowns. Ça peut être un showdown à tapis, de vous apercevoir que il chauffe cette main, cette profondeur, c'est pas terrible parce que du coup ça veut dire que sur tel type de board, il a pu ça. Ça peut être un c-bet pourri. Vous dites, il c-bet cette main sur ce board. Du coup, je peux le mettre dans la merde en faisant tel ou tel move sur ce board. Etc, etc. Bossez. Prenez des notes. Regardez un petit peu comment jouent vos adversaires. Et ça pourra que vous faire du bien et que vous faire progresser. Voilà, c'est tout pour moi. Alors, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur YouTube dans les deux jours qui suivent la sortie de la vidéo ou sur Killtilt que j'ai la notif après. Comme d'hab, remarques, critiques, suggestions, allez-y, c'est parti. Et si vous voulez des précisions ou si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à m'en faire part. Je vais essayer de profiter de l'été pour en enregistrer quelques-unes d'avance et surtout pouvoir couvrir quelques thèmes globaux. Donc n'hésitez pas, que ce soit encore une fois sur les commentaires ou sur le forum de Killtilt, je passerai à peu près partout. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Allez, salut !